Bonjour, bienvenue au Salon de Lyon, le salon qui part en live, le salon du deux-roues qui part en live. Et aujourd'hui, on va parler émotion, on va parler frissons avec cette marque américaine, Indian Motorcycle. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que nous, de notre côté, on l'est. On vous attend, c'est parti! Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Voilà, frissons, émotions, c'est le programme de cette heure que nous allons passer en compagnie d'une marque célèbre, Indian Motorcycle. Salut Jack, ça va ? Toujours. Ça va, très bien. Alors, bon, je disais une marque célèbre américaine, mais on pourrait presque dire la marque la plus ancienne de la production moto. La référence la plus ancienne, 1901 de tête. 1901 avec des grosses progressions, un petit passage à vide. Et puis là, bah, depuis quelques années, tout le monde se ressaisit, les hommes, les produits, parce qu'on a des produits exceptionnels. Et aujourd'hui, ce n'est plus un challenger, mais c'est vraiment quelqu'un actif, une marque active dans cet univers. On va, eh bien, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, eh bien, c'est partir en immersion avec la découverte de l'Indian Chief. C'est tout de suite. Il faut être américain pour oser s'attaquer à Harley-Davidson, car il est difficile d'ébranler la magie qu'exerce la firme du Milwaukee sur les motards du monde entier. Tous les Japonais s'y sont cassés les dents. 70 ans après sa disparition, Polaris ressuscite aujourd'hui la marque américaine Indian avec ce modèle Chief, décliné en trois versions. Voici la vintage qui associe le mieux l'héritage esthétique d'antan à la technologie moderne. L'Indian est imposante et dégage également un charisme certain. Nombreux chromes, phares additionnels, vaste pare-brise, selle et sacoche cuir, mais on est tout de suite happé par le moteur. Chromé à outrance avec ses ailettes profondes, ses couvre-culasses canalisant le flux d'air et ses carters ciselés. Du vrai travail d'orfèvre auquel on ajoute ses tiges de culbuteur extérieur qui traversent les culasses. En effet, ce moteur est inculbuté. Alors Indian, pour ce renouveau, a refait un moteur, hein. C'est marqué 111 sur son carter, donc c'est 111 cubic inch, et donc 1811 cm3 chez nous. Ce moteur Indian est un bicylindre, donc en V, à 49 degrés, un moteur surtout qui affiche un couple exceptionnel
264 Nm à 3500 tours minute. Les accélérations sont fortes, puissantes, musclées, sans que ce moteur affiche une très grande puissance, puisque l'on est dans l'ordre des 75 chevaux. Voilà, on se retrouve dans notre univers sortie de grange avec l'une des machines emblématiques de la gamme Indian, la Chief, et je suis en compagnie de Pierre Audouin, qui est le directeur, le responsable de la marque Indian Motorcycle en France. Bonjour. Exactement, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et en compagnie toujours de Mehdi. Toujours la chute au nombril. C'est bien Mehdi, c'est bien. Alors Pierre, on en parlait en rigolant, mais c'est vrai que c'est l'un des modèles emblématiques de Indian. Et puis d'ailleurs cette année, ce modèle-ci, c'est pour entre guillemets commémorer le centenaire de ce modèle. Effectivement, la marque a 120 ans, mais la première Chief est sortie en 1921, donc du coup maintenant nous sommes en 2021, cette moto elle n'a pas 100 ans, voilà. Effectivement elle n'a pas été conçue il y a 100 ans, mais en fait effectivement c'est une moto qui commémore en fait ce premier modèle, on le reconnaît immédiatement dans ses lignes complètement épurées surtout, mais qui reste forcément une moto très moderne et très actuelle. Alors Mehdi, ouais. Cette Indian Chief, tu l'as. Alors pas celle-ci, hein, bien évidemment, parce que ça, je sais, je vois ton pied, tu trépignes, voilà. Mais l'Indian Chief, tu la connais bien. On la connaît bien, on connaît bien l'ancienne génération. D'ailleurs, la nouvelle génération donne vraiment envie de l'essayer parce qu'il y a beaucoup d'évo. Elle gagne 35 kilos quasiment par rapport à l'ancienne. Tu as parlé d'une moto moderne. C'est vrai que le contenu techno, on a des modes de conduite, gros contenu technologique. Déjà, l'instrumentation. Viens voir Thierry, regarde. Cette animation de compteur, un compteur digital. Ouais, c'est vraiment le jumelage des deux mondes, c'est-à-dire un petit peu l'ADN de la marque, Pierre, et puis la modernité, le up-to-date pour être vraiment à la pointe de la technologie aujourd'hui. C'est exactement ça. Le but précis de notre designer, Ola Stendegaard, qui est quand même quelqu'un de très connu dans la moto, qui a été designer pour bien des marques de moto, notamment européennes, en fait, a voulu une moto le plus simple possible. Et faire une moto très simple, c'est très compliqué. Et surtout quand on la veut très moderne comme celle-ci. C'est un challenge complètement réussi. C'est une moto qui va combler vraiment un trou dans notre gamme entre la gamme Scout et l'actuelle gamme des Chieftain et des grosses machines. Et pour bien évidemment conserver nos clients dans la marque, mais aussi gagner des clients d'autres marques. Ouais, on est sur le cruiser et justement cette stratégie elle se diversifie avec trois modèles en plus cette année. Exactement, ça en fait c'est ce que l'on appelle chez nous une nouvelle plateforme. De cette plateforme seront déclinés trois modèles, celle-ci, la Dark Horse, la Bobber qui sera montée avec des roues de 16 pouces et une modèle un peu plus touring, la Super Limited. Ouais, avec le beau petit pare-brise. Exactement, les sacoches arrière, etc. D'accord, ça donne envie. Messieurs, on parlait justement du centenaire de ce modèle, des 120 ans de la marque. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir un petit peu cette histoire de la marque de Indian, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui sont autour de cette marque, qui sont vraiment impliqués. Et pas très loin en France, pas très loin de Lyon, hein, dans la région Rhône-Alpes maintenant, puisqu'on a grandi, les régions, eh bien, je vous propose de partir tout de suite à la découverte du musée Baster. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mes motos, elles ont toute une histoire, mais on ne peut pas tout raconter. La première moto de la collection, c'est une moto que j'ai récupérée dans une grange que mon père a achetée. Et dans la grange, il y avait une moto. Et ça a été la première de la collection. Et après, ça a été sans cesse. Je récupère toutes ces motos depuis l'âge de 13 ans. Le premier salaire, j'ai réussi à acheter un petit lot de 4 motos. Alors là, j'étais heureux comme tout. J'ai payé en deux fois, je suis allé les chercher en deux fois. Et ça, c'était en 1967 ou 8. Il doit y en avoir 680. Plus grosse cylindrée qui fait 2000 cm3 jusqu'aux 50 cm3. Peut-être les plus exceptionnelles, j'ai une broue supérieure. Comme belle moto, j'ai une Munch Mammouth qui était ma moto de jeunesse. J'allais au travail avec. Et j'en ai eu deux. J'en ai gardé une. C'est celle que j'ai achetée en premier il y a longtemps, longtemps aussi. Dans le musée, là, la moto la plus ancienne que j'ai est une moto belge. C'est une FN 1905
et la moto la plus récente, une Honda de 88. J'ai toutes mes motos américaines, tous mes attelages. Parce qu'il faut dire que j'ai une belle passion pour les sidecars. J'ai environ 200 attelages. J'ai toujours été un fou des sidecars. En Indian, la majorité, ce sont des 1200, 500, 3 Indian 4 cylindres 1300, dont celle-ci qui est the must, je pense. C'est ce qu'il y a de plus beau. Elle est de 1942. L'Américain qui s'offrait ça, il avait beaucoup de moyens. J'ai une profonde préférence pour cette moto-là. Indian, d'ailleurs j'ai beaucoup d'accessoires, beaucoup de publicités d'époque. Et j'ai fait un restaurant à côté qui s'appelle Indian Saloon parce que j'aime bien les Indians. Bon, Indian est revenu sur le marché, mais il y a eu de multiples tentatives. Et là par contre avec Polaris, je pense que la tentative est la bonne parce qu'au niveau de la qualité, elle est présente. Il y a une marque française aussi que j'aime beaucoup, c'est les New Meron. J'en ai quelques-unes, les New Meron Flat Twin. Là, c'est la dernière que je viens de finir de restaurer. C'est une New Meron avec sidecar. Alors, une moto qui est exceptionnelle, c'est celle-ci. C'est cette moto, c'est une Train, moto française, 4 cylindres. C'est la seule qui existe. Il y en a eu très peu de fabriquées, moins de 10. Et elles ont toutes été détruites. Et il reste celle-ci parce que c'était celle de Monsieur Train. J'ai une autre moto aussi où c'est un petit peu touchant. Là, je vais vous expliquer. C'est une moto Java. C'est cette moto que j'ai achetée au fin fond de la Hongrie. C'est une Java 350. Alors donc on arrive chez le gars difficilement, il y avait une neige pas possible. On en a bavé pour aller jusqu'à chez lui. On arrive chez lui et la moto, bon ben je dis d'accord, on s'est entendu sur le prix, je dis la moto c'est bon, je la prends. La moto elle était dans le poulailler, il y avait les poules tout autour, mais elle n'était pas trop sale la moto, faut pas dire, elle n'était pas trop sale. Et puis je vais pour payer en euros, ah non, pas d'euros. Il voulait que des forints, la monnaie là-bas, c'est les forints en Hongrie. Moi, je dis, c'est pas vrai, en plan, on en a bavé pour venir jusque-là. Alors, il nous dit, il y a un change à 8 ou 9 km. Je dis à l'interprète, demande-lui qui nous y amène. Et le mec, il dit, oh, c'était 10h du matin, il avait déjà bu comme je sais pas quoi, et il n'a pas pu nous emmener là-bas. Et mon frère, qui s'énerve, qui dit, sa moto, il se la fout dans le cul, hein, on repart sans la moto. Ah, je dis, non, Jean-Pierre, c'est une première main et elle aura une histoire, cette moto. Ouais, il nous prend pour un con, on peut bien payer en euros. Non, mais pas vrai. Alors, bon, la moto, on avait les forêts et tout, on charge la moto. Mon frère était fou. Quand on a cru démarrer, il avait encore neigé, obligé de se faire remorquer par un tracteur. Alors là, celle-ci, on l'a mérité. Hein. C'est pour ça que des petites anecdotes comme ça, j'aime. Ça me fait plaisir de les re-raconter parce que. Je me vois tellement, il y a peut-être 10 ans que je l'ai, mais je me vois encore là-bas dans ce poulailler et puis dire, bon, allez, on va payer. On est rentré dans la maison. Ouah, ce Capharnaüm là-dedans, déjà pour s'asseoir. Puis il voulait nous payer un coup. Hein. Non, on ne boit pas, nous. Hein. Putain. Oh, l'hygiène, bonne gens. Allez, on se retrouve dans notre univers un petit peu vintage ici. Avec Pierre, on voyait ce sujet, hein. C'est un vrai passionné. Il a évoqué évidemment Indian. Et ben, moi, je me retrouve sur cette Indian Scout qui est, on va le dire, Pierre, votre best-seller en fait. Exactement, la Scout Bobber, notamment celle-ci, est vraiment la moto qu'on vend le plus. Et c'est également la moto qui attire le plus de monde à notre marque. C'est une moto qui représente en fait tout le caractère de la marque dans une attitude très cool et très jeune. À tes côtés, Pierre, on a le plaisir d'accueillir Jérôme Allais. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors Jérôme, tu es le cofondateur, on va dire, du Wheels and Waves. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, en quelques mots, le concept, la genèse de ce projet et pourquoi le rapprochement avec Indian. Alors c'est très compliqué en quelques mots de mais si, tu vas y arriver, d'expliquer 10 années d'histoire maintenant, presque ancienne, mais la réalité c'est quelque chose de très simple, c'est que c'est une rencontre tout simplement, comme toutes les belles histoires, de manière très simple, de gens qui venaient d'univers différents, toujours de cette culture cool, du ride, certains de la moto, d'autres du surf et aussi du skate. Voilà, cette convergence de culture a donné cet ADN très particulier qui d'ailleurs ne pouvait qu'exister à Biarritz, la Californie française, évidemment.
Bien sûr. Alors, le rapprochement avec Indian, il coulait de source par rapport à l'historique de la marque, par rapport, aux valeurs qui ressortent de la marque. Pour moi, c'est une évidence. Indian est présent quasiment depuis le tout début. Wheels and Waves, on se sert du passé pour parler du présent et aussi du futur. Mmh. Donc, quoi de plus logique que la marque la plus ancienne au monde ? Voilà, de s'associer avec la marque la plus ancienne. Pierre, justement, cette association, j'imagine que vous en êtes fier et qu'elle a évidemment beaucoup d'avantages pour l'image qui est donnée à l'extérieur du monde moto d'Indian. Complètement. Mais avant tout, c'est, comme le dit Jérôme, c'est une histoire d'homme, une histoire d'amitié. En fait, on partage les mêmes passions, on partage les mêmes goûts. En fait, au bout du compte, c'était tellement naturel. Et puis, effectivement, si on parle d'une manière un petit peu plus pragmatique, effectivement, ce partenariat avec les Wheels and Waves ont apporté à la marque Indian Motorcycle quelque chose de très moderne, de chic et de cool en même temps. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et je pense qu'on le cultive avec énormément d'ouverture d'esprit. C'est sans doute ce qui fait notre particularité aujourd'hui dans l'univers des marques de moto. Alors, la cool attitude, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on va maintenant consacrer quelques minutes à Wheels and Waves, parce qu'on en parle depuis un petit moment. Wheels and Waves, vous n'êtes pas forcément au courant de ce que c'est. Ben, vous allez voir, Wheels and Waves, ça prend de l'importance. C'est dans le sud-ouest de la Californie française, comme l'a dit Jérôme. On regarde tout de suite ces images des concentrations Wheels and Waves. C'est maintenant. Vous l'avez compris, cette culture de la cool attitude résumée au travers de ces quelques images. Et donc, on comprend bien tout le sens de Wheels and Waves. Alors, Jérôme, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment on réussit à faire prendre cette magie, cette fusion entre des univers totalement différents, le surf, la moto, le skateboard. Alors, comme tu le disais, il y a une notion de ride, mais ce n'est pas évident parce que chacun a ses caractères quand même. Alors, c'est vrai que c'est pas évident en France, mais dans d'autres pays, ça l'est beaucoup plus. Non, en fait, je crois que ces trois cultures, étant a priori comme ça opposées, finalement se rencontrent réellement en douceur. C'est-à-dire que, c'est, comme je le disais précédemment, c'est pas uniquement la moto est un prétexte. Et le fait que ces trois mondes se retrouvent, se rencontrent, plutôt que de créer de la défiance ou de la testostérone, c'est plutôt de la curiosité et de l'envie de partager. Ouais. Et évidemment, encore une fois, cette ambiance de bord de mer, de début de saison, d'été qui commence, amène quelque chose de très cool. Et puis aussi,
C'était un événement qui est international. On a 50% d'étrangers qui viennent du monde entier, des États-Unis, mais aussi d'Argentine, du Japon et bien d'autres pays, et avec aussi beaucoup de femmes. Donc voilà, cette ambiance fait quelque chose de vraiment très particulier, quelque chose de très particulier, et je pense aussi que quelque part nous parlons de choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus, et les gens s'engouffrent dans cette brèche vraiment avec bonheur et délectation. Alors, cette passion qui transpire, moi, j'ai envie de savoir, en tant qu'organisateur, cofondateur, quelle est, je dirais, la philosophie qui s'intéresse le plus à l'autre ? Est-ce que le monde du surf est vraiment focalisé sur la moto ou est-ce qu'au contraire, la moto se focalise sur le skate ? Comment cet amalgame se fait autour de ces différentes cultures et quel est celui qui s'intéresse peut-être le plus à l'autre ? Si on peut dire cette chose. Oui, alors... C'est vrai que sur l'événement, ce qui va sauter aux yeux de prime abord, c'est quand même la puissance de la moto dans cet univers. Mais le surf et le skate amènent une texture très spécifique qui donne justement un esthétisme qui est propre à l'événement. Et je pense que finalement, quand on regarde les images comme on pourrait regarder un tableau, la présence du surf ou de la moto est à peu près au même niveau. D'accord. Alors, la présence de la moto, du surf au même niveau avec le skate, la Scout Bobber, c'est aussi une base exceptionnelle de préparation et de transformation. Oui, c'est ça. Puis c'est l'archétype un petit peu de la cool attitude. C'est une moto qui se fond complètement dans l'univers des Wilson Waves, pour en revenir à cet événement. Et effectivement, c'est une moto qui a suscité un engouement. Je pense qu'aujourd'hui, l'Indian Scout, qui a été relancée en 1916, la première était de 2016, pardon. C'est sans doute une des motos qui actuellement est le plus préparée dans le monde, avec énormément de jolies choses qui sortent d'ailleurs, beaucoup de préparateurs français, de concessionnaires français. Et on profite justement d'événements comme le Wilson Waves pour exposer en fait tout le talent des différents préparateurs. Parfait. Ben merci, messieurs. Alors, on va quitter quelques instants et vous allez comprendre que la transition va être brutale, ce monde de la cool attitude qu'on a traversé avec vous. On va s'intéresser à une autre partie très importante également pour Indian. On va parler de flat track et vous allez voir au travers du reportage qui va suivre que là, on change complètement, mais alors complètement d'univers. Le flat track, notamment avec Dimitri Coste, c'est maintenant. Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted this out. Alors, je suis Dimitri Coste, je suis photographe de profession la semaine, pilote amateur de moto et principalement de flat track le week-end. Et donc, pilote d'Indian tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sauf quand je dors à peu près, quoi. Je m'appelle Wilfried Delestre, j'ai 34 ans, je vis entre Angers et Rennes. Je suis éducateur sportif spécialisé aussi dans la moto. Donc ça c'est une grosse partie de mon job du coup d'initier et d'encadrer les pilotes motocross et flat track. Indian pour moi déjà c'est l'Amérique, c'est l'Undertaker, le Challenger qui est venu inverser la tendance après 44 ans d'hégémonie de toute puissance adverse. C'est pour moi bon liberté, performance, originalité. Fiabilité, robustesse et style. J'ai dû mettre les pieds entre guillemets sur un circuit de moto, j'avais à peine 6 mois. Mon papa faisait du motocross et j'ai été bercé motocross pendant des années. Et par hasard, j'ai découvert le flat track sur une épreuve dans le sud du Maine-et-Loire. On avait été invité par la Ligue et du coup j'avais fait cette épreuve, que c'est plutôt bien passé. En fait, à la fin de l'année 2012, la commission de course sur piste de la fédération m'a dit « Wilfried, est-ce que tu veux tenter des épreuves internationales ?» Donc là j'ai dit « Waouh, là on passe à un autre niveau ».
Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à m'impliquer plus dans la discipline. Du coup, c'est mon 6e titre de champion de France flat track et le premier avec Indian. Donc le travail que j'ai effectué pour réussir à rouler avec Indian, c'était vraiment un rêve parce que du coup, Indian, c'est un peu la marque numéro 1 du flat track. Donc c'est vrai que quand on roule en flat et qu'on met ses fesses sur une Indian, on a accompli quelque chose de vraiment bien, quoi, donc c'est cool. C'est vrai que le fait de pouvoir avoir Indian sur le championnat de France, ça permet de mettre vraiment en avant la discipline parce que c'est la marque phare comme la discipline est vraiment en évolution d'année après année, c'était vraiment un objectif de pouvoir mettre une Indian sur le championnat de France. Ouais, j'ai eu la chance de rouler sur la FTR 1200 Custom, le concept bike, la moto unique. J'ai découvert une moto qui avait ce même moteur-là, réglé un peu différemment, mais dans le châssis plus ou moins en fait de la 750. Et c'était du beurre, c'est-à-dire un bonheur ultra facile à conduire, elle tournait toute seule, il y avait une super traction, position hallucinante. Ouais, je me suis régalé avec cette moto, j'ai pris mes marques assez vite. Cette FTR, c'est vraiment une moto que j'ai adoré et que j'adorerais, avec laquelle j'adorerais rerouler dans ses premières conditions. Après, j'ai roulé avec, mais elle était préparée différemment. Donc, j'ai fait les démos à Punk's Peak, à Wheels and Wives avec. Et là, il y avait 35 chevaux de plus, un angle de chasse changé, un shifter. Enfin, c'était plus du tout la même moto parce qu'il l'avait préparée pour les départs arrêtés. Et c'était un avion de chasse. C'était même pas pensable de toucher à la première, quoi. C'est-à-dire que tu faisais les départs en seconde, le pied sur le frein. Et ça levait quand même. Voilà, vous l'avez vu au travers de ce reportage, on est de retour dans cet univers citadin, parisien, avec ce monstre, cette FTR. Et j'ai ma compagnie, Baptiste, qui est le responsable marketing de la marque Indian Motorcycle. Alors on l'a vu au travers des témoignages de Dimitri et de Wilfried, c'est quand même une sacrée machine. Oui, exactement. Donc pour revenir un peu sur l'historique et l'ADN de cette moto, en fait, Indian Motorcycle est revenu en compétition en 2017 en championnat américain et domine vraiment la catégorie et la discipline depuis, avec trois titres consécutifs, avec une FTR 750. Et de cette performance est née la FTR 1200 que vous voyez ici, donc qui a été commercialisée en 2019 pour la première fois. Et ce modèle 2021 est vraiment l'évolution de cette moto qui se veut encore plus accessible avec un guidon un petit peu plus étroit, une selle rabaissée. Donc c'est vraiment de la performance mais accessible à tous et une moto très équipée, très bien finie et hyper premium. Alors on le voit ici, elle est dans une finition, je pense que Thierry va venir nous rejoindre. Elle est dans une finition carbone, il y a trois niveaux de finition, hein, c'est ça Baptiste? Oui, exactement. Alors il y a la FTR, FTR-S et FTR carbone que vous voyez ici avec les fourches et amortisseurs Ohlins, tout en carbone, une ligne Akrapovic, il y a trois modes de conduite, traction voilà. Control, enfin voilà, énormément de technologies. Tout va bien pour se faire plaisir. Exactement. Voilà. Alors, paradoxalement, on en parle comme ça, comme d'une machine de compétition. C'est une machine de route, bien évidemment, mais c'est aussi une machine qu'on retrouve énormément en ville. Oui, exactement. Elle est très urbaine parce que par son agilité, par vraiment très accessible, très souple, et ce qui en fait une moto vraiment abordable pour tout le monde tout type de pilote. Bon, alors si vous voulez être le roi du feu rouge, eh bien, vous savez quel choix il faut faire. En tout cas, merci Baptiste. Voilà, on change d'univers, mais on ne change pas notre fil rouge, à savoir cette Indian FTR. Pierre, on a vu avec Baptiste tout à l'heure, on parlait du succès commercial, mais il y a aussi FTR du flat track. Expliquez-nous un petit peu votre implication au niveau d'Indian Motorcycle. Oui, effectivement, les succès dans le racing. Et comme l'expliquait Baptiste tout à l'heure, en fait, pour nous, il a été nécessaire de récupérer cet élan aux États-Unis au travers d'une discipline qui est beaucoup moins connue en Europe. Et pour ce faire, eh bien forcément, on a choisi de travailler avec le champion de France en titre de flat track et développer et préparer une FTR pour le flat track et puis pour bien sûr briller également dans la discipline.
Alors Wilfried de l'Est, bonjour Wilfried, c'est lui dont il s'agit, 6 fois champion de France et en plus consécutivement. Wilfried, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette association s'est faite entre toi, Indian et l'AFTA? J'ai été contacté par Dimitri Coste du coup avant les Wheels and Waves 2019 et en me disant qu'il y avait la possibilité de rouler sur une Indian Scoot préparée par Crazy Horse. Et en fait, j'ai saisi l'opportunité. Et de là, après cet événement qui s'est très bien passé, j'ai contacté Pierre, j'ai contacté du coup les différents interlocuteurs Indian que je pouvais avoir. Et de là, on a commencé à travailler avec Indian Angers pour préparer la moto pour la compétition. Donc c'est avec Indian Angers que tu travailles aujourd'hui pour ta saison. C'est ça. Alors 2020, ça a été forcément une année particulière pour tout le monde. 2021, c'est quoi ton programme ? De 2020, du coup, on a quand même réussi à faire un peu d'épreuves de championnat de France et quelques événements à droite à gauche. Et du coup, 2021, c'est la même chose. Du coup, c'est championnat de France et des événements nationaux avec Indian et des événements du coup sur le championnat du monde normalement aussi, qui ne sera pas avec Indian parce que du coup, il n'y a qu'une catégorie unique. Mais du coup, voilà, c'est le principal, c'est vraiment de développer encore la moto pour me mettre en sécurité, pour me faire plaisir et d'essayer d'accrocher un nouveau titre. D'accord. De champion de France. Et puis je crois aussi que, pour conclure, Wilfried, tu as aussi une école et tu fais justement l'initiation et le perfectionnement au flat track. Oui, du coup, j'ai passé mon diplôme d'état d'éducateur sportif moto, donc dans le but voilà, d'initier et de faire de la performance moto, donc plus en motocross et en flat track, c'est vraiment mes deux spécialités, et pour dans le but de vraiment développer la discipline. Quoi. Très bien, merci Wilfried, merci Pierre, et puis à très vite sur les pistes. Merci. On se retrouve sur le plateau central du Salon du Deux-Roues de Lyon. Jack nous a rejoint, mais aussi Agnès Rouvière, directrice générale adjointe d'AMV. Bonjour Agnès. Bonjour Eric. Ça va ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là, de retrouver Lyon. Et nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Jack, AMV, partenaire emblématique du Salon du Deux-Roues de Lyon. Emblématique, ancestral, et puis AMV présent sur... Dès qu'il se passe quelque chose dans la moto, AMV est présent. Donc c'est vrai que ça soit aussi bien sur le trèfle que sur MotoGP, sur tout un tas d'événements, que ce soit de l'événement off-road, que ce soit de l'événement racing. Et puis AMV, c'est quand même une... sûrement le leader, je ne suis pas dans les chiffres. Tu peux le dire. Ah bon, le leader des assurés, toi, je viens de l'apprendre. Voilà. Alors justement, Agnès, je disais AMV, ces trois lettres qui sont, comme le soulignait aussi Jack, incontournables du milieu de la moto. Tout le monde connaît Assurance Moto Verte, mais c'est surtout et aussi l'histoire d'une passion d'un homme, Franck Allard, exactement, qui est le fondateur d'AMV. Alors c'est vrai que Jack a bien résumé l'histoire d'AMV. C'est vrai que c'est l'histoire d'un fondateur qui s'appelle Franck Allard, qui a créé Assurance Moto Verte dans les années 70. Alors on dirait aujourd'hui qu'il était disrupteur à son époque, puisqu'en fait, il a su apporter une solution à des assurés qui n'en trouvaient pas sur le marché, puisque l'enduro arrivait tout juste, et il n'y avait pas de solution pour pouvoir accéder à sa passion au meilleur prix. Donc il avait des copains qui lui disaient, tu bosses dans les assurances, parce que son père travaillait déjà dans un cabinet de courtage d'assurance et il l'avait rejoint en disant « mais est-ce que tu n'as pas une solution à nous proposer ?» Et comme il aime à dire, il a été convaincu des assureurs et puis tout d'un coup il a eu un ami, deux amis, trois amis. Et aujourd'hui effectivement nous sommes leaders de l'assurance moto et il a 750 000 amis aujourd'hui qui l'assurent. Et c'est vrai que cette passion, c'est l'ADN d'AMV, c'est comme ça qu'il a construit la marque depuis tant d'années. Et on est sur tous les terrains, en tout cas on essaye de l'être,
pour que cette passion soit transmise à tout le monde et qu'on parle à tous les motards, parce qu'aujourd'hui on est sur un milieu qui est extrêmement segmenté, mais on s'adresse à tout le monde. Oui, ce que tu disais effectivement, et pour reprendre aussi les propos de Jack, AMV est sur tous les fronts, c'est un peu comme ça qu'on pourrait traduire votre implication. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, à l'époque c'était le Minitel, pendant un moment il y a même eu Assurance Motoroute, il y avait Assurance Moto Verte en vert et Assurance Motoroute en rouge, le Minitel c'était... C'est vrai, tu as de très bons souvenirs. Voilà, j'étais client AMV parce que j'arrivais pas à assurer mon 125 DTMX, voilà, mais c'est comme ça qu'on est arrivé chez AMV. Oui, tout à fait, donc c'est vrai que notre volonté et ce sur quoi on est très attaché, c'est d'être à l'affût de tous les points de rencontre avec les motards. Cette passion, elle nous anime au quotidien et on l'incarne. Alors on l'incarne, effectivement, aujourd'hui, c'est l'époque des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Franck, il a installé la marque à travers la passion, le sport, et notamment, tout le monde se souvient des années Dakar avec Stéphane Peter Hansel, puisqu'en fait, Stéphane a porté les couleurs d'AMV sur toutes ses victoires. Et ça, on continue à le faire. On a soutenu encore récemment Fabio jusqu'à ce qu'il rentre dans un team officiel. Et ça se traduit sur toutes les disciplines. Alors, vous êtes impliqué notamment, évidemment, on ne va pas renier le passé, les belles histoires avec Stéphane Peter Hansel. Vous êtes dans le milieu de l'enduro, donc Enduro GP. Antoine Méo, vous pouvez nous en dire plus, pardon ? Oui, oui. Donc l'enduro, c'est vrai que c'est la DNMV Assurance Moto Verte, hein, donc c'est l'enduro, donc on y est très attaché. Alors il y a un pilote qui s'appelle Antoine Méo, que tout le monde connaît et qui est vraiment un ambassadeur hors pair. Une figure, on peut le dire. Une figure. Oui, et puis il est éminemment sympathique, il est empathique, il emmène les gens avec lui, il est toujours... à l'affût des belles opérations qu'on peut mener. Donc avec lui, on en a mené plusieurs. Bah déjà ici à Lyon, hein, on a, sur la piste d'enduro, on a eu l'occasion d'inviter des clients à faire des workshops avec Antoine. Vous aviez l'impression que c'était le plus beau jour de leur vie. Ils ont vraiment de très belles expériences. On a eu de très, très bons retours, des remerciements. Et puis, on a monté une très, très belle opération en 2019, effectivement, à l'occasion de l'Enduro GP, puisqu'en fait, nous étions partenaires du championnat du monde d'enduro avec Alain Blanchard. Et à l'occasion du Grand Prix de France, on a donné l'opportunité à trois clients ou trois passionnés qui suivent, en tout cas, la communauté d'AMV, de vivre le Grand Prix au sein du team officiel d'Antoine Méo. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui, alors on est très attaché à ça, mais qui ne peut pas s'acheter en fait. Oui. Il n'y a qu'AMV qui est capable d'offrir ce genre de cadeau. Et alors on est parti sur une sélection assez stricte, hein, parce que le niveau était quand même élevé. Donc on a sélectionné une dizaine de candidats. Ils ont passé une journée chez Antoine Méo. On a joué les chronos, on a regardé le comportement, on a regardé leur capacité à progresser, leur capacité à travailler en équipe. Et puis, on a passé trois jours même à Ambert, au sein du team Honda d'Antoine, et habillé de pied en cap comme Antoine, en suivant l'assistance d'Antoine. Et ça, je dois dire, c'était le plus beau jour de leur vie. C'est quelque chose qui... L'immersion, il n'y a rien de mieux. Voilà, et puis, on est très, très attachés à cette transmission de savoir, à cette qu'on puisse continuer l'histoire, qu'on puisse aider des jeunes qui souhaitent progresser dans l'enduro, de leur donner les moyens de le faire. Et avec un champion du monde, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Alors, il y a aussi une implication qui va être faite sur le trèfle lausérien. Et puis après, rapidement, on basculera aussi sur votre implication, parce que là, on parle du tout-terrain, mais ouais. Il y a les fan zones aussi pour le MotoGP. Oui, alors, bon, le trèfle lausérien AMV, ça fait 35 ans, hein, donc on est très présent. Et on va faire également un workshop, on va inviter 10 clients à venir se préparer au trèfle avec Antoine. Alors, sur le monde de la vitesse, on est également très impliqué. On est partenaire du Grand Prix de France Moto depuis des années, aux côtés de Claude Michy. Et quand il a eu l'idée de créer les fan zones au sein du Grand Prix, ben forcément, il a pensé à AMV et nous, on a tout de suite adhéré au concept. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est au sein de ces fan zones que la passion se vit. Alors, elle se vit à travers les chronos, effectivement, dans les tribunes. Mais si vous voulez rencontrer les pilotes, si vous voulez avoir... nous, on a organisé, même puisqu'on a un magnifique semi au sein de la fan zone, des rendez-vous privés avec Fabio Quartararo. Il y a des séances de dédicaces, il y a des jeux concours. En fait, tout se passe au sein de la fan zone AMV. Et pareil, c'est où est-ce que le cœur bat ? Il bat dans la fan zone AMV et c'est là que nous sommes.
Alors Agnès, cette omniprésence AMV, elle se traduit aussi sur des opérations encore plus décalées, on va dire, parce que vous êtes également partenaire de l'émission iSide. Alors au départ, c'était une star, un slider, et avec votre application, avec Bader, vous êtes arrivé alors à ce slogan « une tare, un slider ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors déjà l'histoire avec iSide, hein, ils sont venus nous voir, je crois que c'était donc au salon de la moto en 2013 à Paris. Ils nous ont proposé le concept et tout de suite on a adhéré. On était peu nombreux, hein, j'allais dire, c'est comme au Salon de Lyon où on a aussi été dans les premiers. Voilà. Nous, on est très très à l'écoute de tout ce qui peut être assez novateur. Donc on a effectivement, on est aux côtés d'iSide depuis le départ et y a un module qui a énormément de succès qui s'appelle Une Star, un Slider. Et ils nous ont renvoyé aussi l'appareil, hein, c'est un partenariat qui fonctionne bien, en donnant la possibilité à un client de poser également le genou dans un virage à la fin de la journée et finalement à un client lambda. Alors qu'une star, un slider est réservé à des personnalités connues. Donc on l'a rebaptisé une star, un slider pour l'occasion. Et il y a un engouement phénoménal sur cet événement, puisqu'en fait, on a eu plus de 10 000 candidats qui ont souhaité tenter de poser le genou par terre avec Bader. Et donc c'est une journée au Castellet. C'est un moment mais extraordinaire. Donc on a eu un gagnant, on en a eu trois gagnants l'année dernière, on va renouveler l'opération. Et pareil, cette notion d'exclusivité qui ne se vit que chez AMV, on y est très très attaché. Alors, il y a aussi, on va être obligé de l'aborder, du côté assureur, il faut être aussi présent dans les, on va dire, dans les moins bons moments que peuvent nous réserver la vie. Mais là encore, AMV, vous avez été capable de rebondir et de toujours de faire progresser la passion parce que vous êtes aussi partenaire de Stéphane Paulus qui a lancé l'association Andy Freerider. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que l'accidentologie, elle fait partie de notre vie, hein, et on accompagne nos clients, on est aux petits soins pour eux dans tous ces moments difficiles dans la gestion de leur sinistre. Mais pour ceux qui ont la chance de rencontrer Stéphane Paulus, on voit que finalement, c'est pas un accident qui va arrêter la passion. Donc la passion, elle se retrouve aussi même au-delà d'un accident de la vie. Et on a tout de suite été extrêmement touchés par la démarche de Stéphane Paulus à travers son association Andy Freerider, qui donne la possibilité donc à des non-valides de remonter sur une moto, qui sont toutes optimisées et adaptées selon le handicap. Ils ont eu l'opportunité de créer un championnat du monde qui est dédié. Et c'est vrai qu'AMV a toute sa place aux côtés d'Andy Freerider. Et nous, ce qu'on veut demain, c'est de pouvoir proposer aussi à des clients qui ont été victimes d'accidents, mais que la passion anime toujours, de pouvoir rentrer également dans l'association Andy Freerider. Merci Agnès pour cette Merci présentation et pour le background de l'ADN AMV. Merci Jack. Et puis quant à nous, on va changer d'univers. On va aller dans l'univers de la haute couture avec la sellerie Moileau, une découverte d'une sellerie qui se trouve pas très loin de Lyon. Bonjour, bienvenue à la sellerie Moileau dans nos nouveaux locaux de Décines. Dans ces locaux, nous avons regroupé nos deux activités, nos deux sociétés, la sellerie Moileau d'une part et Cure Artisan Rénovateur d'autre part. Ces deux sociétés, nous les avons reprises il y a 2 ans à peu près. Les métiers que vous trouverez ici sont la selle de moto, la sellerie automobile, la sellerie médicale avec la fabrication de matelas, de brancards d'ambulance, la sellerie bus, notamment pour les bus métro et tramway de la ville de Lyon. Alors, il y a 2 ans, on a repris l'entreprise de Yves Moileau. Alors quand je dis « on », c'est Mathieu Moileau, son fils, et moi-même, Vincent Mailleux. Le développement de l'entreprise est notre souhait, développer le savoir-faire artisanal français, c'est quand même quelque chose auquel on tient beaucoup. On se rend compte que ce développement est très chronophage et c'est pour ça que nous avons décidé d'intégrer une troisième personne à la direction de l'entreprise et cette personne va arriver prochainement. Nous avons repris cette activité par passion de la sellerie d'une part, du monde artisanal d'autre part et de l'environnement dans lequel elle évolue principalement, c'est-à-dire la moto et l'automobile. Et puis nous avons repris l'entreprise Cure Artisan Rénovateur pour compléter nos savoir-faire, notamment avec la maîtrise de la rénovation du cuir. Et le tout, made in France, artisanal et 100% personnalisable. Bonjour, je m'appelle Mathieu Moileau. J'ai baigné dans le monde de la sellerie depuis tout petit parce que mon père a ouvert sa société en 1978. Et donc c'est tout naturellement que je suis devenu sellier après avoir suivi la formation chez les Compagnons du Devoir et avoir pas mal travaillé avec mon père sur des projets autant automobiles que moto.
Tu te garantes technique, qualité et du savoir-faire de la Maison Moelleau. Tous nos salariés sont formés chez les compagnons ou via des CFA, ce qui nous permet de pérenniser le savoir-faire initié par mon père. Aujourd'hui, nous proposons notre gamme de produits dans des tarifs totalement comparables à ceux de nos confrères. En revanche, c'est du 100% français, du 100% artisanal, du 100% sur mesure, que ce soit esthétiquement ou d'un point de vue confort. Donc en termes de selle, de look de selle, on va de la selle la plus sobre, la plus simple. On peut vraiment y mettre des couleurs, incruster des couleurs. On adapte nos techniques par rapport aux demandes des clients. Donc là, je vais vous montrer trois motos, trois Harley, qui sont en cours de fabrication, enfin les selles. Donc là, on peut voir les étapes, parce qu'on a la possibilité de créer nos fonds de selle aussi. Donc par rapport à la moto, on va venir mouler notre résine, vous voyez, qui va nous faire un fond de selle sur mesure. Donc là, on fait une selle mono pour cet Harley. Ensuite, on passe à l'habillage du fond de selle avec de la mousse. Donc là, vous voyez, on a déjà fait la forme avec nos côtes. Donc ça, c'est les demandes du client, les plus de 2 cm, l'avancée du dosseret. Voilà. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à faire les gabarits pour faire la housse. Et ensuite, la housser, la moto sera terminée. Donc là, suivez-moi, je vais vous montrer une autre partie de l'entreprise qui est tout l'aspect cuir et rénovation du cuir. Donc là, vous pouvez voir un exemple d'un canapé qu'on a récupéré qui était dans un très mauvais état. C'était les deux fauteuils identiques. Hein. Et celui-là, c'est un fauteuil qu'on a rénové. Donc on est parti de ça, on a repigmenté. Donc c'est des pigments naturels qui sont approuvés par le centre technique du cuir. Donc traitement, nourrissage du cuir et repigmentation. Voilà. Ensuite on passe une couche de vernis et le canapé est reparti pour une nouvelle vie. On s'occupe aussi de tout ce qui est rénovation, des blousons, des vêtements en cuir. Donc là vous pouvez voir, c'est un exemple d'un blouson très usé sur lequel on a repigmenté et rénové le cuir. Voilà, donc là c'est la partie neuve et la partie abîmée. Donc on a vraiment des résultats bluffants qui peuvent faire penser à un blouson neuf alors qu'il a déjà du vécu. Donc on propose également toute une gamme de produits d'entretien du cuir. Donc ces produits, c'est nous qui avons développé les formules qu'on a fait valider par le centre technique du cuir, qu'on commercialise du coup sous le nom de Technique Assistance Cuir. Alors la sellerie Moelleau, c'est aussi la sellerie auto. Donc là, nous avons actuellement en cours de réalisation une modification de capote sur un coupé Z3. Une petite merveille que nous avons réalisée sur ce coupé CLS qui était intégralement noir, en cuir noir à l'intérieur et pour lequel le propriétaire voulait faire une repigmentation en blanc des bandes intérieures des sièges. Nous vous remercions pour cette visite. Nous sommes heureux de vous avoir fait découvrir la sellerie Moelleau. Nous vous donnons rendez-vous au salon Époque Auto à Lyon en novembre 2021 pour vous présenter la restauration de cette Jeep CJ7 moteur V8 AMC et de tout son intérieur qui sera full cuir. Voilà. On espère que ça vous plaira. À bientôt. On se retrouve sur un univers différent, notre fameuse route des Alpes, pour parler eh bien, d'une autre icône de la marque Indian, à savoir l'Indian Roadmaster. Et on a un responsable commercial en la personne de Jean-Philippe Guinan qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Eric. Et j'ai toujours Mehdi à mes côtés. Bah, ça, je l'ai top. Essayé, c'est normal. Voilà. Bon alors, cette Indian Roadmaster, est-ce qu'elle porte bien son nom, Jean-Philippe? Je pense. Très sincèrement, nous avons donc dans la gamme Roadmaster, nous avions en 2015 développé la Roadmaster classique. En 2020, la Roadmaster Dark Horse et en 2021, donc la Roadmaster Limited que vous voyez aujourd'hui. Donc c'est une moto qui vient compléter cette offre tant au niveau dynamique mais aussi du confort puisque nous lançons cette année une première presque mondiale puisque on a une selle chauffante et réfrigérante. Ah, ça va plaire à Mehdi. Ça a plu à Mehdi. Ça a plu même à Mehdi. Ça fait partie de la longue liste d'équipements sur ce modèle, puisqu'en fait, nous considérons que ce modèle est quand même dans l'hyper-touring, dans la moto, ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui. Alors, je vois ce tableau de bord qui est vraiment exceptionnel. Mehdi, on a l'impression d'être face à un ordinateur. T'as du 7 pouces, là. C'est quasiment une tablette, en fin de compte. C'est tactile. Ça marche aussi avec des gros gants. On va demander à Thierry de se rapprocher. Il y a plein de choses à voir, là. Voilà.
Et donc, ça fait partie justement de ce package techno vraiment, vraiment moderne, impressionnant sur une bécane qui a vraiment une allure classique et custom. Ah, puis on voit, c'est à la fois tactile et en même temps, il y a les raccourcis en bas de l'écran, là, comme est en train de tout manipuler. Tout à fait. Et là, tu as le système de navigation propre à Indian, mais tu peux avoir aussi l'Apple CarPlay, mm-hmm. ce qui est hyper pratique aussi pour avoir ses communications. Et puis, bah, on le disait, alors, tiens, regarde Thierry, regarde, filme-moi ça, parce qu'il a vraiment bien aimé Mehdi. Heat and cool, voilà, donc chauffant et réfrigérant. Oh ouais, c'est pas mal quand tu fais un road trip, justement, vers le mois de mars, où le matin, il fait très froid, le soir, il fait un petit peu plus chaud. Ça te permet, justement, de toujours te sentir bien là où tu penses. Ouais. Voilà. C'est important d'être ventilé. C'est important d'être ventilé. Et puis, il y a plein d'aspects pratiques aussi. Bah, c'est gavé d'aspects pratiques. Le chargement, c'est 140 litres, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, un petit peu plus. 143 précisément. Ah. Mais alors ça doit être avec justement les petites boîtes à gants que tu trouves là, c'est vachement bien fait. Tu sais, tu peux mettre ton petit badge de télépéage, c'est bien. Et puis si t'as trop chaud, tu refermes et là regarde, t'as des petits volets qui s'ouvrent et t'as l'air dirigé vers tes mollets. Parce que c'est un peu embêtant d'avoir les mollets qui cuisent. Ouais. Surtout donc, quand ça le reste au frais. Bah oui, faut être à corps. Non mais voilà, il y a toute cette panoplie d'équipements qui est vraiment pas indispensable pour le voyage, mais c'est tellement pratique. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais cette première là, c'est aussi bon. J'imagine que c'est pas l'argument premier de la vente. Il y a pas que ça, Philippe. Voilà. Ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. En tout cas, c'est une superbe moto. Alors, on en a parlé. On a mis l'eau à la bouche, à nos téléspectateurs. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de jeter un œil sur un extrait de l'essai qu'a réalisé Mehdi. Donc l'extrait de la Roadmaster, c'est tout de suite. Le confort, parce que c'est vraiment ce qui importe, je pense, quand on fait du duo pour la passagère. Ouais. C'est vraiment d'avoir quelque chose qui fait pas mal au dos, avec, dans lequel on se sent bien. Je pense que le gros top case comme ça, ça sécurise, parce qu'il a l'air bien enveloppant, en fin de compte. Il est bien enveloppant. J'ai vu, quand je m'amusais un petit peu à tartiner, j'entendais « mais oui. Quelque part, ça va, quoi. T'étais bien maintenu. Non, je suis cool, très bien quoi. Maintenue. Si je peux me permettre un parallèle avec un road trip qu'on avait fait sur la Goldwing il y a 3 ans dans le Luberon. Ouais, après, tout à fait, tout à fait. Je me souviens à l'arrière que le siège était quand même un petit peu plus large, avec un petit peu plus d'aisance. D'accord. En revanche, la nette différence, c'est que sur la Goldwing, la position des jambes forçait les hanches à être un petit peu plus arquées et au bout d'un moment, ça faisait mal. Ça fatigue plus. Alors qu'ici, c'est absolument pas fatigant. Sur l'Indian, le positionnement des jambes est juste parfait. Avec les repose-pieds qui sont vraiment à plat, bien larges, où on peut bien, bien se caler, on est confortable. Alors moi, tu vois, la texture de la selle, je l'ai trouvée ferme, mais justement, je l'ai trouvée confortable. J'aime beaucoup l'assise qui remonte juste sur le bas de mes reins. Toi, t'en as pensé quoi de ce nouveau siège confort ? Non, la première heure, je me suis dit je pourrais faire des milliers de kilomètres sans problème. Au bout d'une heure, j'ai commencé à sentir un petit peu que le côté mousseux se tasse un peu. Mais bon, c'est logique, on ne peut pas non plus rester 4 heures d'affilée sur une moto sans avoir un petit peu mal aux fessiers, c'est normal. Ouais. Elle reste quand même confortable. Chauffage. Le système chauffage et climatisation. Et clim. Mais ça, c'est une tuerie, quoi. Non, vous avez la clim au niveau des fesses. Il y a trois positions trois positions de chauffage, trois positions de climatisation. C'est vrai que là, on a traversé des passages où il faisait chaud, où on pouvait mettre la clim, où du coup, ça faisait un peu de bien, un peu de fraîcheur. Ouais. Et quand on est arrivé après le soir vers Roussillon, où il était tard, c'est il commençait froid. À faire plus frais, effectivement, le chauffage faisait aussi du bien. Beaucoup de gaieté et de joie que la moto était complètement givrée. Elle était complètement givrée, mais ce cadre, ça lui allait parfaitement bien. Et ça nous a permis de reprendre la route pour aller tailler vers Gordes. Gordes, c'est ensuite, joli, Gordes. Redescendre vers Cassis. Ouais. Faire la route des Crêtes. Le petit transfert sur autoroute, j'ai cru que t'allais t'endormir. Bah, je t'avoue que j'ai piqué un petit somme. Mais ça m'étonne pas, à un moment donné, tu me parlais plus dans l'oreillette. Ah oui, non, mais non, il y avait siège chauffant, la radio et tout. Bah non, j'étais. Je sentais que t'étais bien derrière et tout, tu kiffais bien. Arrivé sur Saint-Trope aussi, bah voilà, c'est la nickel, classe. Nickel. Hein. En parlant du confort, sur la protection. Parce que ça, moi, c'est un point qui m'a j'en bluffé. Je ne pas parler, moi. Eh bien, parlons-en. Eh bien, vas-y, je t'en prie, vas-y, c'est parti. Parce que tu as parlé, toi, du fait que sur l'avant, il y avait des possibilités d'ouverture. Ouais, là, en bas, là, tout à fait, ouais. Et moi, je le ressens aussi quand tu l'ouvres, quand tu le fermes. Mais moi, mes jambes sont hyper bien protégées parce qu'elles sont dans l'enfilade des tiennes. Ouais. Du coup, je n'ai pas eu une seule fois froid aux jambes. Voilà, vous l'avez vu donc et vous l'avez compris, cette Roadmaster, elle a de quoi séduire, elle a de nombreux atouts pour ça. Alors, on est de retour dans notre univers vintage, de nouveau avec la Scout Bobber. Pierre,
on est dans cet univers indien depuis le début de l'émission, mais en fait, on ne s'est jamais posé la question, l'univers indien, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est une question un peu subjective. Mais en fait, c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui. Déjà, une marque très ouverte, avec une ouverture d'esprit très grande, qui est surtout accessible à tous, ça c'est quelque chose de très important pour nous, qui garde un aspect très chic et surtout très cool, comme on l'évoquait tout à l'heure au travers des Wheels and Waves, c'est très important pour nous, avec bien évidemment une touche de féminité, c'est également important. Une grande partie de nos clients sont des clientes que l'on respecte énormément, avec qui on essaye d'avoir énormément d'activités, et puis surtout avec Noémie, notre ambassadrice. Voilà, donc ce qui explique la présence de Noémie. Donc, tu es, comme le disait Pierre, tu es ambassadrice indienne. Ce n'est pas que pour le titre, parce que tu es motard au quotidien. Oui, motarde tout à fait. Au quotidien, on va dire. Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis motard depuis bientôt 2 ans. Donc, j'ai la chance de rouler sur une Indian Bobber. Donc, c'est vrai que c'est une moto géniale à conduire au quotidien et je suis absolument ravie d'avoir cette chance de rouler avec. Alors, on n'a pas parlé de ton métier, mais au niveau professionnel, tu es illustratrice. Donc, est-ce que ça veut dire que tu travailles aussi pour Indian, mais pas que, j'imagine? Alors oui, tout à fait. Je suis illustratrice dans le milieu du sport mécanique depuis 3 ans, donc notamment dans le milieu de l'automobile et de la moto. Donc c'est un métier que je fais à plein temps. Et aussi, c'est vrai que je dessine et j'ai dessiné beaucoup de motos indiennes. Il me semble que j'ai pratiquement dessiné toute la gamme. D'accord. Donc, comment ça se passe justement? Est-ce qu'on arrive à faire passer toutes ces idées? Est-ce qu'il y a du décalage entre qu'on pourrait dire une touche féminine et un ADN à respecter. Comment vous travaillez dans cet échange? On travaille d'une manière, encore une fois, et comme c'est le cas depuis le début et comme avec tous nos partenaires, d'une manière très fluide. Il y a une envie commune. Il y a une envie commune de faire de belles choses, de se respecter énormément. Et donc, effectivement, on a fait avec Noémie, notamment, tous les acheteurs des modèles Elite. On a vu la Roadmaster tout à l'heure. Il faut savoir que dans la Roadmaster, on a des modèles très haut de gamme. Ils s'appellent Elite, qui sont numérotés. Et chaque possesseur, par exemple, de Roadmaster Elite avait droit à une lithographie numérotée de la part de Noémie. Voilà, on travaille sur des choses qui sont en même temps concrètes, mais qui aussi font plaisir à nos clients et rendre nos produits encore plus exclusifs. Tu as des idées comme ça? C'est toi qui les soumets à Pierre? C'est un échange? Comment ça se passe, Noémie? C'est vraiment naturel. Dès qu'il y a un nouveau projet, c'est vrai qu'on en parle. Donc Pierre me soumet des idées aussi. On essaye vraiment de se soumettre des idées mutuellement pour trouver, on va dire, des choses originales, des choses qui se démarquent et qui plaisent aussi forcément à la clientèle indienne. Alors, juste une question, on va dire peut-être un peu technique. Qu'est-ce qui est le plus dur dans une illustration, justement, sur une moto? Les formes, qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Le plus difficile, on va dire, c'est que la mécanique est très apparente sur les motos indiennes. Donc, il y a énormément de détails, donc beaucoup de temps à passer sur les réalisations. Et au niveau des couleurs aussi, c'est vrai que le côté mat, même le noir ou le blanc, sont des couleurs qui sont beaucoup plus difficiles à retranscrire que d'autres couleurs. C'est une association qui va perdurer, j'imagine. Hein, bien on évidemment. A plein de projets. Vous avez beaucoup de projets dans les cartons. Bon, on ne le saura pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, par contre, Noémie, on te retrouve parce que tu le disais, tu roules au quotidien à moto. Et on le voit parce que tu as fait la couve de Moto Heroes qui t'ont consacré un sujet, c'est ça? Alors en fait, c'est un hors-série qui a été donc consacré à Indian et sur lequel j'ai la chance d'apparaître en couverture. Et il y a également à l'intérieur un article décrivant un petit peu ce que je fais, mon métier et également aussi mon côté motarde en fait. Il y a vraiment le côté illustratrice et motarde qui sont vraiment bien décrites dans ce petit hors-série. C'est une grande fierté pour nous parce qu'effectivement ça nous a semblé une évidence de mettre Noémie en photo. D'abord parce qu'elle est très photogénique et puis ensuite parce que effectivement, son métier est quelque chose de merveilleux. C'est très artistique et je pense qu'on a quand même une dimension assez artistique dans cette marque-là. Et mettre en avant aussi la clientèle féminine pour nous est quelque chose de déterminant. Très bien. Merci Pierre, merci Noémie. Merci. Voilà. Alors, on a parlé de Moto Heroes. Et bien justement, ce que je vous propose, c'est de regarder ce reportage pour aller au cœur de l'esthétisme en héritage. C'est tout de suite, c'est maintenant.
On est trois associés, Philippe Abreu, Vincent Ham et moi-même. On a tous une formation presse print et on est tous des passionnés d'automobile ou de moto. Tous de notre côté, sans le savoir, on était des lecteurs de Auto Heroes, Moto Heroes. On respecte infiniment le travail qu'a réalisé Fabrice. Il a fait un travail sensationnel. Il a fait un travail d'instinct, un travail d'esthétisme. Freeway, qui est vraiment le magazine des bikers, Indian, Harley, qui existe depuis 30 ans, hein, qui est vraiment la pierre angulaire de l'envie d'édition initiale de Fabrice Roux. Ensuite, on a Petrolhead, qui est un canard qui est plus dédié au monde du café racer, qui est relativement récent. On a évidemment le Moto Heroes, qui est vraiment le MOOC, c'est-à-dire un mélange de magazines et de books. 200 pages, papier 115 grammes Périgord, dos carré collé, qui est vraiment un produit de luxe, qui réunit à la fois la passion moto, mais aussi la passion du design, de la beauté, de la rareté, de la différence, de la liberté aussi. Il y a Auto Heroes, évidemment. On a aussi Road Trip, un magazine dédié, comme son nom l'indique, au voyage à moto. Un titre qui progresse, la Porsche classique qui s'appelle Speedster. Un autre qui s'appelle Super VV Magazine, qui est dédié aux coccinelles. Et un autre qui s'appelle Combi, qui est dédié aux Combi Volkswagen. Donc notre travail, c'est de développer, d'améliorer, mais pas un instant de casser ou de révolutionner. Donc on va travailler, et on a déjà commencé à le faire dans des domaines comme le numérique. On va travailler les abonnements, on a des offres d'abonnement qui font un carton en ce moment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va travailler dans le positionnement, dans la manière de montrer les journaux. On va travailler la marketplace, parce qu'on n'aurait pas de boutique à proprement parler, avec des marques fortes qu'avait su développer Fabrice. On fait des beaux reportages, on dépense du temps, de l'argent, parce qu'encore une fois, on ne veut pas perdre ce fil extraordinaire qu'a suspiré Fabrice. On avait tous envie de fabriquer des produits qui réunissaient l'amour de la presse, de la mécanique et de la moto. Voilà, on arrive au terme de cette émission, donc de frissons et d'émotions proposées par la marque américaine Indian Motorcycle. Et je retrouve Jack pour la conclusion de cette émission. Jack, on a vu vraiment de très belles choses avec une marque qui est en pleine explosion, on pourrait dire, pour un petit peu résumer Indian Motorcycle en France. Pour le résumer, je dirais la légende se remet en route. Parce que c'est vrai que ça a été quand même une légende au début du siècle. Et là, on se rend compte que les actualités, elles sont énormes, ouvertes à tout le monde, ouvertes à tout public. On parlait des filles, on parlait de l'accessibilité, on parlait de la maniabilité. Et aujourd'hui, oui, pour caricaturer un peu cette émission, la légende, c'est Indian, c'est 120 ans, se remet en route. Alors, se remet en route, Indian, on va les accompagner, Indian Motorcycle. On les accompagnera encore évidemment beaucoup de temps. On espère qu'on les retrouvera en présentiel l'année prochaine ici au salon du Deux Roues de Lyon. On l'espère tous, surtout qu'avec Indian en général, il y a toujours des sujets un petit peu, comme dans leur état d'esprit qu'on a pu voir dans l'émission, un peu décalé, on va chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et c'est ce qui est appréciable avec cette marque. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour le salon présentiel 2022 du salon du Deux Roues de Lyon. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette émission comme nous, on a pris autant de plaisir à la faire. On remercie la technique et puis à très vite.